Soudain, un étrange sentiment vous gagne, l'intuition que le parchemin perdu s'anime et se rappelle à votre souvenir. Vous retournez vers l'endroit où vous l'avez rangé. Le parchemin se déroule lentement jusqu'à se parer de ces mots. Tagazokavu, vous voyez, vous n'avez pas résisté à l'appel de la suite de cette histoire. Laquelle était-ce déjà ? Ah oui, il s'agissait de Arthas, l'ascension du roi Lich par Christy Golden. C'est ainsi qu'elle se poursuit. Arthas était en proie à une grande frustration. Lorsque la délégation de Hurlevent avait apporté de terribles nouvelles au sujet des orques, Arthas avait pensé qu'enfin on lui dispenserait un entraînement digne de ce nom, peut-être même aux côtés de son nouvel ami Marian. Au lieu de cela, l'exact contraire s'était produit. La guerre contre la Horde avait provoqué un appel aux armes massif, et tous ceux capables de manier l'épée jusqu'au maître forgeron avaient rejoint les forces armées. Varian avait eu pitié de son jeune homologue et fit ce qu'il put pendant un moment, puis il soupira et regarda Arthas d'un air compatissant. « Arthas, je ne veux pas être désagréable, mais je suis très mauvais. » Varian grimaça. Ils se trouvaient tous deux dans la salle d'armes, s'entraînant avec des haumes, des plastrons de cuir et des épées d'entraînement en bois. Varian se dirigea vers leur atelier et y déposa l'épée d'entraînement, puis s'adressa à Arthas tout en retirant son haume. « Je dois dire que je suis surpris parce que tu as des qualités, tu es athlétique et rapide. » Arthas se renfrogna. Il connaissait assez bien Varian maintenant pour savoir que son aîné tentait d'arrondir les angles. Il le suivit, maussade, déposant également son épée et se débarrassant de son matériel de protection. À Hurlevent, nous commençons l'entraînement assez jeune. Quand j'avais ton âge, j'avais déjà ma propre armure spécialement conçue pour moi. Ne remue pas le couteau dans la plaie, grommela Arthas. Désolé. Varian lui sourit, et à contre-cœur, Arthas lui renvoya un faible sourire. Bien que leur première rencontre ait été pour le moins embarrassante et entachée de chagrin, Arthas avait découvert en Varian un esprit fort et une personnalité généralement optimiste. « Je me demande pourquoi ton père n'en a pas fait de même pour toi. » Arthas, lui, le savait. « Il essaie de me protéger. » Varian soupira, tandis qu'il rangeait son plastron de cuir. « Mon père a essayé de me protéger, lui aussi, ça n'a pas marché. Les réalités de la vie n'ont pas leur pareil pour s'imposer à nous. » Il jaugea Arthas. « Écoute, je suis entraîné à me battre, pas à enseigner à se battre. Je pourrais te blesser. » Arthas rougit. Varian n'avait pas même émis la possibilité qu'Arthas aurait pu le blesser lui. Varian sembla remarquer qu'il était en train de s'enfoncer et tapa sur l'épaule d'Arthas. « Je vais te dire, quand la guerre sera finie et qu'un bon entraîneur sera de nouveau disponible, j'irai avec toi parler au roi Terenas. Je suis certain qu'en peu de temps, tu me botteras les fesses. » La guerre prit fin et l'alliance triompha. Le chef de la Horde, le jadis puissant Orgrim, marteau du destin, avait été ramené enchaîné à la capitale. Arthas et Varian furent fortement impressionnés de voir le puissant chef de guerre exhibé comme un animal de foire à travers les rues de l'Ordéron. Turalyon, le jeune lieutenant paladin qui avait vaincu Marteau du Destin après que l'orc eut tué le noble Anduin Lothar, s'était montré miséricordieux en choisissant d'épargner la bête. Terenas, qui au fond de lui était un homme bon, lui emboîta le pas en interdisant d'attaquer la créature, tout en autorisant raillerie et huée. Voir l'orc qui les avait terrorisés pendant longtemps, désormais impuissant, réduit à un objet de mépris et de dérision, remontait le moral des gens du peuple. Mais Orgrim, Marteau du Destin, ne serait pas blessé tant qu'il serait sous sa responsabilité. Ce fut la seule fois où Arthas vit le visage de Varian déformé par la haine, et il supposa qu'il ne pouvait pas lui reprocher cette haine. Si les orques avaient assassiné Terenas et Uther, il admit intérieurement qu'il aurait également voulu cracher sur les hideuses choses vertes. « Il devrait être tué !» gronda Varian, tandis qu'il observait depuis les parapets, dardant des yeux furieux sur un marteau du destin traîné vers le palais. « Et j'aimerais être celui qui s'en occuperait. »« On le mène à Fossoyeuse, » dit Arthas. Les anciennes cryptes royales, cachots, égouts et allées souterraines profondément enfouies sous le palais avaient d'une façon ou d'une autre hérité de ce surnom, comme si les sous-sols du palais étaient un autre lieu. Sombre, humide, sale, Fossoyeuse n'était conçue qu'à destination des prisonniers ou des morts, mais les plus pauvres des pauvres du pays trouvaient toujours leur chemin vers elle.
Si quelqu'un était sans abri, Fossoyeuse valait mieux que de mourir gelé dans les intempéries. Et si quelqu'un avait besoin de quelque chose, de pas tout à fait légal, même Arthas pouvait concevoir que Fossoyeuse était l'endroit le plus indiqué pour l'obtenir. Régulièrement, les gardes descendaient et donnaient un coup de balai dans une tentative désespérée et au final futile de nettoyer Fossoyeuse de sa racaille. Personne ne sort jamais de Fossoyeuse, assura Arthas à son ami. Il mourra en captivité. C'est un sort trop agréable en comparaison de ses crimes, dit Varian. Thuralion aurait dû le tuer quand il en avait la possibilité. Les mots de Varian furent prophétiques. Le grand chef orc ne fut humilié qu'en apparence par le mépris et la haine dirigés contre lui. Il s'avéra loin d'être brisé. Leurré par son découragement, du moins c'était ce qu'Arthas avait glané en laissant traîner ses oreilles, les gardes étaient devenus laxistes dans leur surveillance. Personne n'était vraiment certain de la façon dont l'évasion d'Orgrim Marteau du Destin avait eu lieu, parce que personne n'y avait survécu. En effet, tous les gardes qu'il rencontra eurent leur nuque brisée. Une piste de cadavres, de gardes, d'indigents et de criminels, Marteau du Destin ne faisant pas de distinction, menait de la cellule grande ouverte vers la seule voie d'évasion, les égouts nauséabonds. Marteau du Destin fut capturé à nouveau peu de temps après, et cette fois placé dans les camps d'internement. Quand il s'échappa de là aussi, l'Alliance retint collectivement son souffle, s'attendant à une nouvelle vague d'attaques. Aucune ne vint. Soit Marteau du Destin était finalement mort, soit l'Alliance avait finalement réussi à briser son esprit combatif. 2 années passèrent et il semblait que la Porte des Ténèbres par laquelle la Horde était arrivée la première fois sur Azeroth, le portail que l'Alliance avait fermé à la fin de la Deuxième Guerre, allait être ouverte à nouveau. Ou bien avait déjà été ouverte, Arthas n'en était pas certain, parce que personne ne semblait vouloir prendre la peine de lui dire quoi que ce soit, bien qu'il soit destiné à devenir roi. C'était une belle journée, chaude et ensoleillée, au ciel dégagé. Arthas avait envie de sortir en promenade avec son nouveau cheval qu'il avait nommé Invincible. Le poulain qu'il avait vu naître en ce funeste jour d'hiver il y avait 2 ans. Peut-être le ferait-il plus tard, mais pour l'heure, ses pas le portèrent vers la salle d'armes, où lui et Varian s'étaient entraînés et où Varian l'avait embarrassé. L'offense n'était pas intentionnelle, bien sûr, mais elle lui cuisait tout autant. 2 ans. Arthas marcha vers leur atelier sur lequel étaient posées les épées d'entraînement en bois et en prit une. À 11 ans, il avait eu ce que sa gouvernante avait qualifié de poussée de croissance. Du moins, est-ce ainsi qu'elle l'avait désigné quand il l'avait vu pour la dernière fois, quand elle avait pleuré et l'avait serré dans ses bras en déclarant qu'il était un véritable jeune homme maintenant et n'avait plus besoin de gouvernante. La petite épée avec laquelle il s'était entraîné à 9 ans était une épée d'enfant. Il était effectivement un véritable jeune homme, mesurant 1m75 et appelé à grandir encore s'il suivait la voie de ses ancêtres. Il soupesa son épée, frappant des stocks et de taille, et sourit soudain. Il s'avança vers l'une des armures, serrant fermement l'épée. « Ha !» cria-t-il, souhaitant que ce fût là l'un des hideux monstres verts, ceux-là même qui avaient été une épine dans le pied de son père pendant si longtemps. Il se redressa de toute sa hauteur et pointa l'épée vers la gorge de l'armure. « Tu penses passer ici, vil orc? Tu es sur les terres de l'Alliance! Je vais t'épargner pour cette fois! Pars et ne reviens jamais !» Ah, mais les orques ne comprenaient pas la reddition ou l'honneur. Ils n'étaient que des brutes. Ils refuseraient donc de s'agenouiller et de lui témoigner du respect. « Quoi? Tu refuses de partir? Je t'ai laissé ta chance, mais puisque tu le prends ainsi, combattons !» Et il se rua sur l'ennemi, comme il avait vu Varian le faire. Pas directement sur l'armure, non. L'objet était très ancien et de grande valeur, mais droit derrière elle. Frapper, bloquer, esquiver les coups, ramener l'épée le long de son corps, puis tourbillonner et... Il hoqueta, tandis que l'épée, semblant s'animer d'une vie propre, lui échappa des mains et vola à travers la pièce. Elle atterrit bruyamment sur le sol de marbre, glissant dans un horrible bruit de frottement, avant de s'arrêter dans une lente rotation. « Bon sang !» Il regarda vers la porte, et droit dans les yeux de Muradin, barbe de bronze. Muradin était l'ambassadeur nain à Lordaeron, frère du roi Magni Barbe de Bronze, et l'un des grands favoris à la cour pour son approche joviale et terre-à-terre de toutes les choses de la vie, de la bière aux affaires d'État, en passant par les pâtisseries fines. Il avait également la réputation d'être un excellent guerrier, rusé et féroce dans la bataille. Et il venait de voir le futur roi de Lordaeron faire semblant de combattre des orques et jeter son épée à travers la pièce. Arthas sentit son corps entier se couvrir de sueur et ses joues virer au cramoisi. Il tenta de se rattraper. « Ambassadeur, j'étais en train de... »
Le nain tout sauta et détourna le regard. « Cherche ton père, mon garçon. Peux me dire où le trouver, cet endroit infernal à tout couloir. » Arthas pointa silencieusement du doigt vers un escalier à sa gauche. Il regarda le nain s'en aller. Aucun autre mot ne fut échangé. Arthas n'avait jamais été aussi embarrassé de toute sa vie. Des larmes de honte perlèrent à ses yeux et il cligna des paupières pour les refouler. Sans même prendre la peine de ranger l'épée de bois, il fuit la pièce. 10 minutes plus tard, il était libre, chevauchant hors des étables, se dirigeant vers les collines des clairières de Tirisfal à l'est. Il avait 2 chevaux avec lui. Il montait un vieil ongre gris pommelé au caractère doux et nommé Cœur Vrai, et il tenait au bout d'une longe de dressage invincible, son poulain de 2 ans. Il avait senti un lien entre eux depuis le moment où leurs regards s'étaient croisés, peu de temps après la naissance du poulain. Arthas avait alors su qu'il serait sa monture, son ami, le cheval au grand cœur qui irait jusqu'à devenir une part de lui-même, à l'instar de son armure ou de ses armes, et même plus encore. Les chevaux de bonne race comme celui-ci pouvaient vivre 20 ans ou plus si on s'en occupait bien. Ce serait la monture qui porterait élégamment Arthas lors des cérémonies et fidèlement lors des chevauchées quotidiennes. Il n'était pas un destrier. Ces derniers étaient d'une race à part, utilisés uniquement à des fins spécifiques, en des temps spécifiques. Il en aurait un quand il partirait à la guerre. Mais Invincible deviendrait, et était déjà devenu, une part de sa vie. La robe du jeune étalon, sa crinière et sa queue, grise à sa naissance, était devenue blanche comme la neige qui recouvrait le sol ce jour-là. C'était une couleur rare même parmi les chevaux élevés par Balnir, dont les robes blanches étaient en réalité gris très clair. Arthas avait joué avec l'idée de noms tels que Blizzard ou Céleste, mais pour finir, il avait suivi la tradition informelle des chevaliers de Lordaeron et donné à son coursier le nom d'une qualité. La monture du Terre était inébranlable, celle de Terenas, courageux. La sienne était invincible. Arthas voulait désespérément monter invincible, mais le maître d'écurie l'avait averti que le poulain était encore trop jeune pour cela. « À 2 ans, c'est encore un bébé !» avait-il dit. « Il est en train de grandir, ses os sont en train de se former. Soyez patient, votre Altesse. Une autre année d'attente n'est pas si longue, et c'est pour le bien d'un cheval qui vous servira ensuite fidèlement pendant 2 décennies. » Mais l'attente lui paraissait trop longue, bien trop longue. Arthas regarda le cheval par-dessus son épaule, rendu impatient par le laborieux petit galop qui semblait être ce que Cœur Vrai pouvait faire de mieux. Par contraste avec le vieux Ongre, le cheval de 2 ans se déplaçait presque comme s'il flottait, sans guère d'effort. Ses oreilles étaient pointées en avant et ses naseaux se gonflaient tandis qu'il reniflait les odeurs de la clairière. Ses yeux étaient brillants et semblaient l'appeler. « Viens Arthas, c'est ce pourquoi je suis né !» Une chevauchée ne pouvait probablement pas faire de mal, juste un petit galop, et retour aux étables comme si de rien n'était. Il mit Cœur Vrai au pas et lia ses rênes à une branche basse. Invincible hennit quand Arthas marcha vers lui. Le prince sourit à la douceur de velours du museau, effleurant sa paume, tandis qu'il nourrissait le cheval d'un quartier de pommes. Invincible était habitué à porter une selle, cela faisait partie du long et patient processus de débourrage pour habituer le cheval à porter quelque chose sur son dos. Mais si une selle vide était une chose, un être humain en était une autre. Cependant, Arthas avait passé beaucoup de temps avec l'animal. Il dit une courte prière, et puis rapidement, avant qu'Invincible ne puisse s'écarter hors de portée, sauta sur le dos du cheval. Invincible se cabra, hennissant furieusement. Arthas enroula ses mains dans la crinière drue et s'accrocha aussi fort que possible, utilisant chaque centimètre de ses longues jambes pour se maintenir en selle. Le cheval sauta et rua, mais Arthas tint bon. Il glapit quand Invincible essaya de se débarrasser de lui en courant sous une branche, mais ne renonça pas. Et puis Invincible partit au galop, ou plutôt il vola. C'est du moins ce qu'il sembla au jeune prince pris de vertige qui s'aplatit sur le cou du cheval et fit un grand sourire. Il n'avait jamais monté un animal si rapide auparavant et son cœur tambourinait d'excitation. Il ne tentait même pas de contrôler Invincible, toute son énergie était déjà dévolue au simple fait de rester en selle. C'était glorieux, sauvage, beau, tout ce dont il avait rêvé. Ils allaient. Avant même qu'ils ne comprennent ce qui venait d'arriver, Arthas avait atterri sur la terre herbeuse. Pendant un long moment, il eut le souffle coupé par l'impact. Doucement, il se mit sur ses pieds. Son corps était douloureux, mais il n'avait rien de cassé. Invincible n'était déjà plus qu'un point disparaissant sur l'horizon. Arthas jura violemment, frappant du pied un monticule de terre et fermant les poings. Il s'était fait avoir.
Sir Uther, le porteur de lumière, l'attendait à son retour. Arthas grimaça tandis qu'il glissait à bas de la selle de cœur vrai et tendait les rênes à un palefrenier. Invincible est rentré de lui-même il y a peu de temps. Il avait une vilaine coupure à la jambe, mais je suis certain que vous serez ravi de savoir que le maître d'écurie dit qu'il ira bien. Arthas envisagea un instant de mentir, de dire à Uther qu'ils avaient été effrayés et qu'Invincible avait fui. Mais les taches d'herbe trahissaient sa chute, et Uther ne croirait jamais que le prince ne pouvait pas rester sur ce bon vieux cœur vrai, effrayé ou non. « Vous savez que vous n'étiez pas encore supposé le monter, » continua inexorablement Uther. « Je sais, » soupira Arthas. « Arthas, ne comprenez-vous pas, si vous placez trop de poids sur son dos à cet âge, il... « J'ai compris, d'accord ? Je pourrais l'estropier, c'était juste une seule fois. »« Et ce sera la seule, n'est-ce pas ?»« Oui, sire, » dit Arthas maussade. « Vous avez manqué vos leçons, encore. » Arthas était silencieux et ne releva pas son regard vers Uther. Il était en colère, embarrassé et blessé, et ne voulait rien d'autre qu'un bain chaud et un thé d'églantine pour apaiser la douleur. Son genou droit commençait à enfler. « Au moins, vous êtes à l'heure pour la session de prière de cet après-midi. » Uther le regarda de haut en bas, « bien que vous ayez besoin de vous laver. » Arthas était effectivement couvert de transpiration et savait qu'il sentait le cheval. « C'était une bonne odeur, pensa-t-il, une odeur honnête. Dépêchez-vous, nous allons nous rassembler dans la chapelle. » Arthas n'était pas même certain de savoir sur quoi la session de prière de l'après-midi allait porter. Il s'en sentait vaguement coupable. La lumière était importante aux yeux de son père et à ceux d'Uther, et il savait qu'ils ambitionnaient qu'ils soient aussi dévots qu'eux. Mais bien qu'il ne puisse pas réfuter ce qu'il avait vu de ses propres yeux, la lumière était clairement réelle. Il avait vu des prêtres et le nouvel ordre de paladins faire de véritables miracles de soins et de protection. Il ne s'était jamais senti attiré par le fait de s'asseoir et de méditer pendant des heures comme le faisait Uther, ou de faire des références fréquentes en des tons révérencieux comme le faisait son père. La lumière était juste là. Une heure plus tard, récuré et portant une tenue simple mais élégante, Arthas se pressa vers la petite chapelle familiale dans l'aile royale. Ce n'était pas une grande bâtisse, mais elle était très belle. C'était une version miniature du style traditionnel de chapelle que l'on pouvait trouver dans toutes les villes humaines, peut-être légèrement plus somptueuse dans l'attention portée aux détails. Le calice qui était partagé était finement ouvragé d'or et incrusté de gemmes. La table sur laquelle il reposait était une antiquité. Même les bancs étaient agrémentés de confortables coussins, tandis que les gens du commun devaient s'accommoder de simples bancs de bois. Il comprit, alors qu'il entrait silencieusement, qu'il était le dernier, et grimaça tandis qu'il se rappelait que plusieurs personnages importants rendaient visite à son père. Outre les participants réguliers, sa famille, Uther et Muradin, le roi troll mort, étaient présents, bien qu'il semblât encore moins heureux qu'Arthas d'être là. Et quelqu'un d'autre, une jeune fille, mince et droite avec de longs cheveux blonds, lui tournait le dos. Arthas la regarda attentivement, curieux, et heurta l'un des bancs. Il aurait tout aussi bien pu laisser tomber un plat. La reine Liane, la cinquantaine, resplendissante, se retourna vers le bruit, souriant affectueusement à son fils. Sa mise était parfaite, ses cheveux tirés en arrière dans une coiffe dorée dont aucune mèche indisciplinée ne s'échappait. Kalia, 14 ans et aussi dégingandée et folâtre qu'invincible l'avait été à sa naissance, lui décocha un air renfrogné. De toute évidence, la nouvelle de ses méfaits s'était propagée, ou bien était-elle seulement fâchée contre lui parce qu'il était en retard ? Terenas le salua de la tête, puis ses yeux retournèrent vers l'évêque, célébrant l'office. Arthas se grinça des dents intérieurement sous la silencieuse désapprobation contenue dans son regard. Trollmor ne lui accorda aucune intention, et Muradin non plus ne se retourna pas. Arthas s'affala sur l'un des bancs situés à l'arrière de la chapelle. L'évêque commença à parler et leva les mains entourées d'un léger éclat blanc. Arthas souhaita que la jeune fille se retourne légèrement afin qu'il puisse apercevoir son visage. Qui était-elle? De toute évidence, la fille d'un noble ou de quelqu'un de haut rang, sans quoi elle n'aurait pas été invitée à assister à l'office privé familial. Il continua de se demander qui elle pouvait être, plus intéressée par la découverte de son identité que par l'office. « Et son Altesse royale, Arthas Menethil, » entonna l'évêque. Arthas se ressaisit rapidement, se demandant s'il avait manqué quelque chose d'important. Puisse la bénédiction de la lumière être sur lui dans chaque pensée, mot et action, afin qu'il puisse se développer sous celle-ci et grandir pour la servir en tant que paladin.
Artha se sentit une douce chaleur apaisante le traverser tandis que la bénédiction lui était apposée. La raideur et la douleur se dissipèrent, le laissant revigoré et en paix. L'évêque se tourna vers la reine et la princesse. Puisse la lumière briller sur sa majesté royale, Lyanne Ménéthil, afin qu'elle... Arthas sourit et attendit que l'évêque finisse les bénédictions personnelles. Il nommerait alors la fille. Arthas s'appuya contre le mur. Et nous demandons humblement la bénédiction de la lumière pour Dame Jaina Port-Vaillant. Puisse-t-elle être bénie par ses soins et sa sagesse. Ha ha ! La mystérieuse jeune fille n'était plus un mystère. Jaina Port-Vaillant, plus jeune que lui d'une année, fille de l'amiral Daelin Port-Vaillant, héros de la guerre navale et dirigeant de Kul Tiras. Ce qui l'intriguait était la raison de sa présence ici. Et espérons que ses études à Dalaran portent leurs fruits. Nous souhaitons qu'elle devienne une représentante de la lumière et qu'en tant que mage, elle serve son peuple avec dévotion et honnêteté. Cela avait un sens. Elle était en route vers Dalaran, la belle cité des magies, située non loin de la capitale. Connaissant les règles strictes de l'étiquette et de l'hospitalité qui étaient omniprésentes dans les cercles de la noblesse et de la royauté, elle serait là pour quelques jours encore avant de reprendre son voyage. « Voilà qui pourrait être intéressant », pensa-t-il. À la fin de l'office, Arthas, déjà près de la porte, sortit en premier. Muradin et Trollmort sortirent à sa suite, ayant tous deux l'air soulagés que l'office soit terminé. Terenas, Uther, Lyanne, Kalia et Jaina suivirent. Sa sœur et la jeune Port-Vaillant étaient toutes deux blondes et minces, mais la ressemblance s'arrêtait là. Kalia avait une ossature délicate, avec un visage tout droit sorti d'un tableau ancien, à la peau pâle et douce. Jaina, elle, avait des yeux brillants et un sourire vif, et elle se déplaçait comme quelqu'un d'accoutumé à l'équitation et à la randonnée. Elle avait de toute évidence passé beaucoup de temps en plein air, car son visage était hâlé, avec une poignée de taches de rousseur autour du nez. Elle était le genre de fille que cela ne dérangeait pas de recevoir une boule de neige dans la figure ou d'aller nager par une chaude journée, pensa Arthas. Quelqu'un, à la différence de sa sœur, avec qui il pourrait jouer. Arthas, je voudrais te parler, l'appela une voix rauque. Arthas se tourna pour trouver l'ambassadeur en train de l'observer. Bien sûr, sire, dit Arthas, un pincement au cœur. Tout ce qu'il voulait, c'était parler avec sa nouvelle amie. Il était déjà certain qu'il s'entendrait à merveille et Muradin voulait probablement le sermonner à nouveau pour l'embarrassante démonstration à laquelle il avait assisté plus tôt dans la salle d'armes. Au moins, le nain était-il suffisamment discret pour lui en parler à l'écart de la foule. Celui-ci se tourna pour faire face au prince, ses pouces trapus à la ceinture, son visage bourru plissé par la réflexion. « Mon garçon, dit-il, je vais aller droit au but. Ta méthode de combat est épouvantable. » À nouveau, Arthas sentit rossir ses joues. « Je sais, dit-il, mais père, ton père a de nombreuses lésions à l'esprit, ne va pas me raconter des choses contre lui. » Eh bien, qu'était-il supposé dire ? Ma foi, je ne peux pas vraiment m'enseigner à moi-même à me battre. Vous avez vu ce qui est arrivé quand j'ai essayé. Moi, je peux, je t'apprends de l'aise si tu veux. Vous le feriez ? Arthas fut d'abord incrédule, puis enchanté. Les nains étaient entre autres réputés pour leur prouesse au combat. Une petite voix dans la tête d'Arthas se demanda si Muradin lui apprendrait également à tenir la bière, une autre chose pour laquelle les nains étaient réputés. Mais il décida de ne pas poser la question. « Ouais, c'est ce que j'ai dit, non? J'en ai parlé avec ton père, il est complètement d'accord. Ça a été assez retardé comme ça, mais mettons une chose en clair. J'accepterai aucune excuse et je te pousserai à bout. Et si à un moment je me dis « Muradin, tu gâches ton temps !» J'arrête là, t'es d'accord, gamin ?» Arthas lutta contre un pouffement incongru, à l'idée que quelqu'un d'aussi petit que lui l'appelle « gamin », mais finit par le ravaler. « Oui, sire, » dit-il avec ferveur. Muradin opina et lui tendit une large main calleuse. Arthas la serra. Souriant, il regarda en direction de son père qui était en grande conversation avec Uther. Ils se tournèrent d'un seul mouvement pour le regarder. De perdu pensif et intérieurement, Arthas soupira. Il connaissait ce regard. Tant pis pour l'occasion de jouer avec Jaina, il n'aurait probablement pas le temps de la revoir avant qu'elle ne parte. Il se tourna pour la regarder, tandis que Kalia, le bras autour des épaules de sa cadette, entraînait Jaina hors de la pièce. Mais juste avant qu'elle ne disparaisse dans l'embrasure de la porte, la fille de l'amiral Port-Vaillant tourna sa tête auréolée d'or, croisa le regard d'Arthas et sourit. Soudain, alors que vous souhaitiez connaître la suite de cette histoire,
le parchemin vous libère de son emprise et les mots s'effacent progressivement, le document redevenant inerte. Vous vous sentez libéré mais insatisfait. Peut-être qu'un autre jour, le parchemin s'animera à nouveau. Vous décidez de le ranger en attendant le prochain appel de sa part.